En tout cas, salut, parce que tout dépend de l'heure à laquelle tu vas suivre cette vidéo. Erigo Benson, Erigo. Ouais. Non. Yeah. Erigo Benson, Erigo. Ouais, que Seigneur. Ouais. Eto. Eto est en train de mettre le Cameroun dans les dos. Eto, son nom Eto, il est en train de mettre le football camerounais dans les dos. C'est-à-dire dans une position où il manque seulement un peu comme ça là, c'est foutu en fait. Le travail qui est là-bas dans l'Africa Foot, moi-même j'applaudis. Mais par rapport à l'équipe des Lions Indomptables, ouais. Vous savez, je vis au Gabon. Je suis marié, j'ai mes enfants, je fais ma vie ici au calme. En temps normal, je ne dois même plus m'intéresser des affaires du Cameroun, même un peu. Mais le sang fait parfois, je regarde en arrière, je dis, hey, mon pays, c'est comment là-bas, je suis les informations, je suis au fil de l'actualité, sur les réseaux sociaux, la CIA TV, Equinox, Canal 2, mais sinon, je dis le Cameroun. C'est-à-dire, non. La politique d'abord, Cameroun. Ouais. Et les ministres qui comptent les chauves-souris, et les ministres qui nous apprennent que 32 gigas veut dire 500 gigas, et le grand-père qui ne veut pas quitter le pouvoir, et sa fille qui est devenue une pop star sur les réseaux sociaux. Maintenant, même le football au moins, qu'on a vu, quand j'ai appris que Eto est candidat, j'ai mon cœur, Eto. Quand j'ai appris qu'il a gagné, Eto. Quand j'ai fait son travail à l'Africa Foot, Eto. Mais les Lions Indomptables. C'est-à-dire, où il a d'abord mis, où c'est un professeur de philosophie, où c'est un écrivain. Je vous assure, étant ici au Gabon, vous ne pouvez pas savoir comment ça fait mal. Moi, je vais vous dire, moi, je n'ai pas de problème avec les joueurs. Les joueurs sont battus comme ils peuvent. Ils sont pas d'abord fous, ils sont faibles. Donc d'abord, ils sont faibles. Allez, ce sont les quelques joueurs. Castelletto, Koudou, il y en a qui se battent là. Mais le reste là, nul. Nul, faible. Bon, ça c'est d'abord eux, c'est d'abord faible d'abord. Maintenant, le coach a seulement venu de les proverbes, les citations, les dictons. Si tu aimes le Cameroun, démission avant le troisième match. Sors, va, bah, papa. Et tout. Si les Gobert sont maintenus, déjà avant le troisième match, d'abord même un, ton estimation a diminué, chute de 100% à 50%. S'il est là au troisième match, ça va encore descendre à 30%. Et si après l'élimination, parce qu'on va pas aller loin, si après l'élimination du Cameroun, les Roubaix sont maintenus, c'est-à-dire que tu seras vomi. Ce n'est pas clair, ce n'est pas visible. On veut Patrick Mboma, son dehors, Mboma, dedans. S'il faut un national, bien sûr. Son dehors, Mboma, dedans, ou bien Belle, dedans. Mais en dehors des deux, là, on ne veut pas. En dehors des deux, là, mieux un étranger. Et...
terminer en disant aussi que mes frères camerounais, vous aussi, vous êtes partis là-bas pour les supporters, les influenceurs là. Vous pensez que vous manquez la Côte d'Ivoire, maintenant voilà. Mola a bien dit l'humilité précède la gloire. Vous dites, c'est l'humilité, la dose. Dès que moi, c'est m'en vu, Aboubakar qui n'est pas là, je peux m'outiller. Il dit, hé, la fesse. Il fallait même être humble. Sont dehors. Point national, Patrick Mboma. Magique Mboma. Ou encore, belle, sinon, une nation, un étranger. Ouais.